Opération hier, c'était une phase décisive dans l'action que nous avons déjà menée contre le phénomène ça. Parce que c'est un côté du Kembe, puis le monde qui est en pays. Dans l'opération ça, nous avons perdu 4 policiers avec 8 autres blessés. Dans les blessés, 5 déjà sortis de l'hôpital et 3 autres dans l'hôpital. On est stable. Il y a des matériels qui étaient sous théâtre d'opération. Commandement a présenté ses patils à la famille policiers victimes et prend engagement pour accompagner comme ça doit. Ses patils commandement a joint tout policier et rappelé la nécessité pour renforcer solidarité. C'est parti tout à tout le monde dans la population qui a soutenu fort la police là et qui est stomaqué pour la publicité qui fait à corps policier nous. On a fait connaître que la police là pas fait bac. Nous pas qu'à fait bac. Parce que nous mission nous accompli et n'a qu'un bon engagement que nous prenons. Qui sait protéger et servir la population. Merci pour votre présence. Merci Jean. Nous saluons la presse et nous saluons tous les policiers en général qui ont regardé nous, qui ont attendu nous. Et nous saluons tout le monde sénateur. D'une façon spéciale, nous avons vos sympathies. By famille, amis, petites, tous les policiers qui ont mouru dans l'opération Village de Dieu. Moi, je pense que ça qui passe hier là, est révoltant. Il a nous regardé comment gagner, comment corps policier, comment policiers eux-mêmes, ils ont tout eu. Ils ont fait tout, ils ont arraché. Parce que ça qui passe à révolter en tant que non seulement policier, mais en tant que syndicaliste qui défend l'institution et plutôt qui défend les policiers. Donc, ça me dit en plus de ça qui passe à, c'est que faut que les choses révisent par rapport avec les gens d'opération en fait, au niveau de la police. Déjà la police a eu ce pour l'intervention dans la proposition. Nous même qui réaction nous avons. J'estime que là bas c'est détail, pas un message qui va. Bon, moi même pense que ça a écouté technique par le directeur général de la police là. Nous pas gagné trop pour nous opiner sur les déclarations qui sont différentes. Sauf que nous sommes capables de remarquer, il dit que la police là n'est pas baissé les bras. Je pense que c'est normal. Si, fois que nous sommes l'unique force de l'homme dans le pays, par contre, avant sa classe, la police est obligée de faillir avec mission que l'identité que pour eux seulement assumer les responsabilités. Mais normalement, en tant que police, la population, ça a aussi un cratère. Comment le tas est fait? Est-ce que vous pensez qu'il y a une faille dans cette classe? Moi, je pense qu'à travers tout le pays du monde, il y a une opération, il y a une coopération. Et l'opération, il y a un planning qui est fait. D'abord, et l'opéra entre village de Dieu par exemple, ou pas qu'à livrer policiers n'importe qui gens. Pour voir au village de Dieu, il faut qu'il y ait un informateur qui est dans la zone qui n'a pas d'informations, qui peut dire mes côtés qui rentrent, mes côtés que ou pas qu'à rentrer. Nous même au niveau Sénat, nous estimons que nous pas d'opération était mal planifiée, même penser que c'était une légèreté pour côté équipe cellule qui est responsable pour planifier l'opération au niveau de la police. Et ça fait que nous même dans Sénat, nous demandons que les opérations à faire, faut que nous mettions que tout ça qui suppose mettre en place pour l'opération réussir, que nous mettons. Parce que nous sommes capables d'imaginer plusieurs opérations faites, ce n'est pas vrai bandit qui est victime. C'est quand la police, nous estimons que il y a près de 5 policiers qui mourent, monsieur, dans 3 chablendés. Je pense que c'est parce que il y a une négligence pour côté monde qui a planifié l'opération qui cause que ça arrive. Prochaine fois, nous souhaitons que il y ait plus de précautions qui prennent, plus
pour mettre tout ça supposé mettre en place pour permettre que l'opération réussisse. Ok, comment ouais, de monde qui était planifié c'est 5 policiers qui nous ont déjà la présenté ces 4 policiers côté l'organisation de beaucoup de fois. Bon, nous même au niveau Sénavoa, information que nous gagnons nous connaissons que nous avons 5 policiers qui mourent. Ces 5 policiers nous gagnons qui mourent jusqu'à présent. Il n'y a pas de récupérer le corps policier. Ça. Et ça fait que nous-mêmes, dans le Sénavoa, nous avons demandé au gouvernement, nous avons demandé à la direction générale de la police pour utiliser un canal, soit la Croix-Rouge haïtienne ou bien l'organisation des droits humains, pour permettre que les liaisons qui fait pour récupérer le corps policier. Parce qu'au moins, il faut nous récupérer le corps policier pour que les familles soient capables de rendre un dernier hommage. Nous pas senti bien. Véléité ça, une volonté ça auprès de la police, la CSPN, non, pour permettre que les policiers, parents, récupèrent quoi. Donc ça allait indigner nous en tant que policiers. Vous comprenez? Moi, je okay, nous maintenant sommes démissionnés. Est-ce que nous allons prendre une situation ça va attaquer le moral tout là? Bon, moi-même, je pense que si c'est pour moral attaquer, moral policier attaquer par rapport avec ça qui arrive là. Et surtout, yo vinn remarquer pas une réponse rapide qui baille par rapport à ça à qui passé là li indigné nous en tant que pour les policiers. Ça fait que li important pour gagner et intervention qui fait rapide. Est-ce que nous ka quitter deux chablendés dans main monsieur Yonda? Non, faut que la police en façon que nous fait pour le prendre chablendé. Et nous même nous va au courant des cellules qui étaient planifiées. Bon, je pense que nous-mêmes, nous pas au courant de ça. Direction générale de la police, a une cellule qui planifie l'opération. Ça, lui-même, n'est pas dans la compétence nous, pour nous connaître qui c'est cellule dans la direction générale de la police qui occupe l'opération. Les policiers qui l'hôpital, est-ce que nous avons information de eux, comment est-ce que et Jean qui est dans le directeur général de la police a dit là, il y a 3 policiers qui toujours. Et l'hôpital, ça fait que nous avons son message à tout le monde de bonne volonté qui est capable d'aller sans pour le policier parce que nous avons un état qui est critique, nous avons besoin d'opérer, nous avons des gens pour aller sans de façon à ce que pour frères, pour cousins, pour famille, nous qui sont pour le policier capable de faire opération qui est au mérite. Nous avons un syndicat.